La famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a pas gardé et recevra tranche information ça sous Chanel Maman Pemba Messac News, une chaîne qui l'a pour informer de tout ça qui a passé ici dans le pays d'Haïti à Claude Baudelot. On pas oublier toujours dire c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous capables informer. Avant nous vider information sur vous, n'a demandé pour garder en bas vidéo un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si li en anglais, pas oublier activer petite clochette notification. C'est seule façon ou capable rester connecté Maman Pemba Messac News. Avant nous continuer, n'a saluer tout le monde qui a regardé nous tendez nous en Haïti et ou même grand compatriotes qui à l'étranger ou même qui États-Unis, Canada, Chili, Brésil ou même qui en République Dominicaine, une grosse salutation pour vous même. Et bien sans plus tarder mesdames et messieurs, en nous rentrer nan causé à mesdames et messieurs, bonne audition parce que gien causé nous doit tendez nous même parce que pays d'Haïti mesdames et messieurs son pays spécial. En écoutez mesdames et messieurs. Magomet, donc c'est une date constante dans la commune à Liakou, puisque hier, on a parlé avec un confrère, Lidim Nixon, c'est la première fois qu'il saisit pour le quantité de nègres avec ZAM, gros ZAM manche long que la police malheureusement pas gagné. Bandi avec ZAM, donc il fait partie de base à Grand Gif, et bien, il fait un gros défilé hier. Dans la commune, donc, il a tiré en pile cartouche, d'un chauffeur moto, selon information qui vient de nous, qui mourit, il y a quatre autres monde qui blessés, un pasteur qui, a jardin qui blessé, mais information était que le bruit, mais par la suite, après le confirmé que le pasteur n'est pas mourir. Bon, écolier tout, qui prend balle, donc, une situation vraiment difficile, tout le monde a qui prend balle. Donc, bandit autour, guerrier, eh bien, il a saisi un camion, on cap gardé, sur les réseaux sociaux, il a gagné un camion, monsieur, un camion qui chargeait avec, eh bien, rempli avec gaz, que monsieur, il a sous camion, c'est au même cap, et pratiquement, fait ça, il est circulation dans la commune, à Liancourt, puisque, pas un policier dans sous-commissariat et Liancourt, puisque le policier était déjà abandonné, situation extrêmement difficile, marchandises qui t'a ressorti, sous frontière, Elias Pignas, là, en République Dominicaine, ils n'ont pas capable, et, pratiquement rentrer dans vallée la Tibonite, ou bien département la Tibonite. Donc, ça veut dire que pas gagner vraiment circulation. C'est extrêmement difficile. Donc, son monde qui a passé dans zone ça. Donc, c'est en zone de cimetière, selon explication, quelques monde et, bah, non. Donc, il y a un pile étudiants et guerriers qui pratiquement sont bloqués. Étudiants, ça supposé, ville sur cours dans la ville Saint-Marc, ils n'ont pas capable de rentrer. Donc, ça veut dire que situation, c'est bandit, puisque policiers, ils ont pratiquement, ils ont abandonné, commune, Liancourt et également commune Tivé la Tibonite. Donc, deux communes, ça y est. Donc, on est que base Grand Gif, c'est dans sa vie, première section communale Tivé la Tibonite. C'est là, monsieur Sayo a paye banda, donc, yo gen machine policier nan men yo, yo en uniforme policier, puisque yon pile policier yo touye, yo prend uniforme yo. Hier soir, te gen pile tiré qui t'a fait dans Kafoupe sur route nationale numéro 1, entre blindé, ça veut dire policier qui en dedans blindé a, ensemble avec bandit. Nous pas gagné de chiffres, nous pas gagné trop d'informations sur ça qui passe hier soir, mais yon pile tiré. Mais malheureusement, pour directeur, centre réception document à livraison identité Semakla qui c'est Washnir bien-aimé donc bandit la croix périssio monsieur qui était pour la route nationale numéro 1 eh bien bandit la croix périssio yo kidnappé sur route nationale numéro 1 eh bien pendant t'a prendre direction pour rentrer dans cité indépendance là donc directeur a été fin participer nos gros rencontres avec magistrat communal Semakla qui c'est Myriad Fier ensemble avec tout employé sous nouvelle disposition. Eh bien, il était doué adopter pour faciliter contribuable capable de déposer sans difficulté passeport. Yo. Eh bien, il était 9h30 comme ça. Les nouvelles là, effectivement, il était parlé de faire contact avec Maïsia pour te confirmer est-ce que effectivement il était kidnappé. Il confirmé non, oui. Il a kidnappé directeur Semakla, directeur immigration Semakla, qui c'est Washni, Washni bien aimé. Donc, bandit, c'est une zone qui est livrée, puisque la police n'est pas là. Et bandit, ça vient, c'est traversé au travers de ces rivières, après vous venez en cours. Et est-ce que, ce qui fait que Gadavia, elle est pratiquement blanche. Donc, sauf que le monde, a dit que, juge de paix, pas trop fin, mais Gadavia n'a pas gagné, de monde là-dedans. Donc, je dis à partir de 9h, policiers, ils ont compté rendre, ils ont dernier hommage avec 7 frères d'Amio. Donc, on est que bandit à Xam Tétouillé dans la commune Liakou, dans le champ de bataille, donc 25 janvier, qui sous passe. Donc, ça veut dire que Balatibonika, pratiquement,
n'a dit que pas vraiment il y a de policiers qui nous travaillent. Donc nous pas qu'on est du côté de du côté de Ponsondé, puisque on CP qu'il a qui c'est du frère René. Donc monsieur Sarotou, il y a pas les moyens pour être capable de faire travail. Et puis l'autre information guerrier, il y a audition magistrat communal Lyon quoi du Camel, merci en plus monde connaît son nom Camo, qui était pour prévoir faite aujourd'hui a reporté pour 22 février 2023. Le commissaire gouvernement par question là, maître Vincent François, qui nous a parlé avec lui hier, eh bien, qui confirmait la nouvelle là. Donc, magistrat communal là, lui était fait demande ça, côté lui adresser une correspondance à Pakea. Donc, il m'a dit pour reporter audition sa police. Bah, et chef Pakea, c'est qu'on est prêt à l'analyser, puisque contribuable à l'Igne doit ça à tout. Et justice à de préférence, l'Igne doit ça, donc il est prêt à analyser. Pour bailler une réponse à demande et magistrat communal Liancoua, qui c'est du Camel, merci. Et mais fondu que objet invitation ça guerrier, c'est magistrat gagné pour al côté explication sous lien qui gagné avec chef gang, ça vient Luxon Elan. Donc il est même déclaré sur les réseaux sociaux, il est habitué vendre faire activement, alors que et chef gang ça, donc il n'est pas gagné de magasin, et bien qu'il a vendre faire activement à magistrat communal là, et puis bah, l'argent également pour acheter manger pour policiers qui eux-mêmes étaient affectés puisque pas gagné policier et qui pratiquement dans ce commissariat. Donc une situation qui est extrêmement difficile, n'a pas on l'a pas encore présenté. La première opération qui était menée dans sa vie, c'était sous ancien DG PNHA qui c'est Michel-Ange. Il y a une autre opération qui était menée par la suite, mais opération qui n'a pas de résultat puisque Bandio c'est pratiquement, ils ont renforcé ces derniers temps. Oui, Nixon Deneus, concernant Liancourt, nous, Bandi Savière, de temps en temps, ils ont traversé pour y venir opérer, ils ne connaissent pas rien la police. Mais tout le fait qu'ils ont traversé, c'est qu'ils n'ont pas pris position sur Liancourt. Donc, est-ce que là, et nous devons comprendre que Liancourt, effectivement, c'est une zone qui est livrée à lui-même, ou bien Bandi Savière, Bandi Savière, sur route pour établir Basio dans Liancourt? Alors, Tabli Bazio dans le lien pour nous pas encore d'informations, mais sauf que nous avons information qui a dit que monsieur a préparé Utal délogé du côté de Savien puis aller du côté de Verrette, donc un côté qui parle extrêmement difficile. C'est toutefois la police qui a voulu mener opération, sauf en opération militaire, donc qu'il t'a droyé. Bandi n'a pas oublié que Kapoupe l'a dit extrêmement difficile, zone patchoual du côté de Ponson des côtés actuellement. Gagner de policiers en dans commissariat ça. Donc ce qui fait que zone ça est difficile pour eux, mais c'est Liancourt qui paraît très difficile, très facile pour eux, puisque information t'a dit que les gagnent de très bonnes relations avec magistrat communal là qui a gagné pour la côté explication sur ça. Ce qui fait que sorti du côté de Savien et côté Absotia, donc ils ont seulement utilisé route coloniale là, ils ont sorti et ils ont sorti sous pont et autrefois que t'es constaté que mon ils t'es metté de gravier, de matériaux sous courant. Donc, c'est qui était empêché circulation qui fait. Mais ces derniers temps, nous constatons que il paraît très facile pour monsieur yo, yo passer sous point et yo entrer dans la commune Liancourt. Donc, c'est là, yo pratiquement, yo kidnappé de monde, yo fait pratiquement, d'a dit que des bandits, parce que hier, on a regardé une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui nous parlait avec mon confrère du côté de La Chapelle qui t'a pris et croisé. Et selon explication avec Bandio, donc les mêmes dit saisi. Donc c'est pas en quelque sorte le tabli Bazio du côté de Liancourt, mais il y a information qui arrive vers nous, monsieur a préparé pour établir du côté de Verrette, donc il a délogé quoi du côté de Savien, puis à Verrette, mais c'est pas confirmatif et Pierre Runel. On connaît la police qui était Liancourt et la police dans Rivière la Tibonite, tout est fermé, porte commissariat. Bouc Rivière la Tibonite, côté un pile monde qui était zone. Nan. Qui situation Rivière la Tibonite dans le moment où on a parlé là, étant donné policiers ont été fermés commissariat, est-ce qu'ils retournaient ou bien porte commissariat a été fermé? Jusqu'à présent, Pierre Renel, porte commissariat Rivière la Tibonite a toujours été fermé, puisque policiers ont ils ont abandonné, donc ils ont estimé qu'ils n'ont pas gagné assez de matériel, de équipement, de munitions, tout pour être capable de contrecarrer avec Mandio. Donc, ce qui fait que commissariat, ou du moins que commune Rivière la Tibonite, beaucoup Rivière la Tibonite, est pratiquement largué pour contre lui, pas gagné de policiers. Et la justice, autorité judiciaire, gagné un juge de paix qui nous a parlé avec lui, ça n'a pas fait longtemps, qui dit que et pratiquement, nous n'avons pas vraiment descendu tout aller dans le tribunal. C'est pratiquement ces bandits dans la zone respective qui ont même fait la loi.
Donc, c'est même qui fait jugement et puis on dit un tel ou bien raison, un tel ou pas raison, mais quand il décobre ou à payer. Donc, ce qui fait que population Pierre-Unel l'y livre pour compter pas gagner de commissariat. Par exemple, moi-même qui l'a non c'est marqué à gain de policiers puisque et ville là est pratiquement les lagues pour produire. Donc nous à la merci de Dieu donc qui a protégé citoyens par exemple l'école matin et qui va reprendre activité. C'est vrai que l'école yo fonctionné vrai, mais en réalité que les Pierre-Unel donc si t'as un monde qui bon soufflette ou bien qui casse tête tout pas aucun côté pour déposer plainte puisque porte commissariat yo en général yo fermé en pile côté dans Balatiboli. Parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques, le rendez-vous est unique. Tous les jours, Messac News. Messac News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Abonnez-vous pour ne rien louper.